Eh bien bonjour tout le monde, de retour dans la maison pour vous raconter aujourd'hui cette histoire, Le Machin, écrite par Stéphane Servant et illustrée par Cécile Bonbon. Le Machin. Un jour, près du Grand Lac, Bobo l'éléphant ramasse un drôle de machin. Bobo le tourne et le retourne dans tous les sens. C'est sûrement un bonnet, dit Bobo. Hop, il le met sur sa tête. Oh, quel beau bonnet! Kiki, l'alligator, passe par là. Il voit Bobo et lui demande. C'est quoi ce machin que tu as sur la tête Bah, c'est un bonnet dit Bobo. Kiki se met à rire. Mais non, c'est pas un bonnet grosse patate. Alors, Bobo jette son bonnet par terre et va bouder dans la forêt. Kiki ramasse le machin et hop Il le met sur son dos. Oh, quelle belle cape Zaza la brebis passe par là. Elle voit Kiki et lui demande C'est quoi ce machin que tu as sur le dos Mais c'est une cape, dit Kiki. Zaza se met à rire. Mais non, ce n'est pas une cape, grand cornichon. Alors Kiki jette sa cape par terre et va bouder dans la forêt. Zaza ramasse le machin et hop. Elle le met autour de sa taille. Ah, oh, quelle belle jupe. Juju le canard passe par là. Il voit Zaza et lui demande C'est quoi ce machin que tu as autour de la taille Bah, c'est une jupe dit Zaza. Juju se met à rire. Mais non, pff, ce n'est pas une jupe grosse nouille. Alors, Zaza jette sa jupe par terre et va bouder dans la forêt. Juju ramasse le machin, et hop. Il l'enroule autour de son cou. Ah. Quelle belle écharpe. Lily la fourmi passe par là. Elle voit Juju et lui demande. C'est quoi ce machin que tu as autour du cou? Mais c'est une écharpe, dit Juju. Lily se met à rire. Pff, mais non, ce n'est pas une écharpe, grosse banane. Alors Juju jette son écharpe par terre et va bouder dans la forêt. Lily ramasse le machin. Et hop, elle s'allonge dessous. Ah, oh, quelle belle couverture! Un peu plus tard, tous les animaux sortent de la forêt et se retrouve autour du grand lac. Il voit Lily couchée sous le machin. Il crie. Mon bonnet, ma cape, ma jupe, mon écharpe. Bobo, Kiki, Zaza et Juju se précipitent sur le machin, et crac. Le machin se déchire en mille morceaux. À ce moment-là, un petit homme tout nu sort du lac et s'écrie. Où est ma culotte oh, Ma culotte. Beurk. Et voilà. Bonne journée.